Ça a l'air plutôt délicat, alors je vais venir avec vous. Les formes de vie les plus viles sont sur Tatooine. Restez près du vaisseau, je vais faire mon enquête. Ma parole, c'est le Faucon Millenium. Yann, Chewie, y a quelqu'un? Ils ont dû sortir. Les infos de Luke se vérifient. Ce sont des vaisseaux cargo indépendants. J'ai un mauvais pressentiment. Écoutez, vous restez là et gardez l'entrée du hangar d'arrimage. Empêcher quiconque d'entrer ou de sortir. Je vais à la cantina Crète pour me renseigner. J'y ai quelques relations. Jedi? Moi? Non, pas encore. Je suis disciple de Kyle Katarn. Il parle à des gens du coin. On enquête sur un culte qui se répand un peu partout. Vous devez être Chewbacca? Que faites-vous là? Leia Organa? Waouh, ça doit être très important. Bonne idée. Nous serons mieux protégés à l'intérieur. Et vois où ces rodiens sont flippants. Oh. Il faut nous couvrir. Retournons au vaisseau. Amenez ici. On ne peut pas atteindre les vaisseaux. L'endroit est verrouillé.
Je désactiverai les rayons tracteurs si vous pensez pouvoir faire face à ces gars. Ok, c'est tout pour le faucon. Maintenant, au Ravensclaw. Attention, un intrus. Pas terrible. Les rayons tracteurs sont désactivés, Chewbacca. J'arrive. Allez, concours de l'île. Oh, j'ai raté quelque chose. Ouais, ça me fait plaisir aussi, Chewie. J'imagine qu'il ne voulait pas de nous. Wow, c'est un énorme compliment venant d'un Wookiee. Alors, merci. Ces mercenaires ne sont pas donnés. Ce culte doit avoir pas mal d'argent. Ou pire, il est soutenu par les impériaux. Écoutez, on doit retrouver Luke et lui dire ce qui se passe. Vous informerez Leia à propos du culte? S'il n'avait pas été là au bon moment, j'aurais eu pas mal d'ennuis. Ouais. Chewie a l'air de dire que vous vous débrouillez bien. Joli travail. Kyle m'a raconté ce qui s'était passé à Mos Eisley. Heureusement que Chewie était là. Mais vous avez bien réagi quand même. Il semble que ce culte et les impériaux soient plus proches que ce qu'on pensait. Nous avons examiné la navette accidentée, et il n'y a aucune trace de dégâts au laser ou de défauts mécaniques. C'est comme si quelque chose avait tout simplement détruit les moteurs.